Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e, je ne sais plus combien de thèmes d'épisode, mais c'est pas grave, ça sera marqué dans le titre. Alors on s'était arrêté dernièrement. Ici Zack, j'ai localisé la navette d'Amund. Comme d'hab. Quoi? Il merde. Flippé quoi. On a un gros problème, il manque toutes les données de navigation. Effacées. On devrait pouvoir les reconfigurer. Je cherche des disques de démarrage. J'ai pas d'accès aux portes d'ici, alors il te faut une clé de maintenance. Si tu trouves ces disques, je pense qu'on pourra remettre cette navette en état de marche. Ouais, c'est jamais assez facile dans le carnage ici. Donc comme je disais, on devait se barrer, mais bon, apparemment ça se passe encore pour maintenant. Je sais pas trop ce que c'est ces trucs, mais ça m'inspire pas confiance personnellement. Donc... j'ai cru entendre chanter. Vous êtes d'accord, hein, ça chante. Ok. Bon, on va essayer de trouver qui chante. Sinon, on est arrivé... bon, niveau d'épisode, je ne sais plus trop. De toute façon, ça sera marqué dans le titre. Hein, si vous savez lire, eh ben, ça sera... c'est bien. Sinon, donc, on devait se barrer. Je dois trouver une sortie, mais apparemment, il faut que je retrouve des disques durs pour mettre la navette en marche. Mais c'est quoi, c'est une église ici ou... dortoir? Ok, je dois pas aller là-bas, donc je vais voir les dortoirs. Si je commence à utiliser de la stase pour rien, ça va le veiller. J'ai pas trop ces lumières derrière là. Bon. Maintenant. Bon. J'aime bien visiter un peu. Cool, plein de casiers fermés. Ça me sert vachement. Hop, bon, d'un côté je ramasse des petits trucs, c'est pas plus mal. Pas trop où je m'en vais là, sérieusement. On s'en bat les reins. Hop, on recharge. Ça, on s'en fout. Voilà, au moins mes armes sont rechargées. Bon, vous savez quoi, je vais retourner là où il faut aller. Parce que sinon, à mon avis, je vais trop m'éloigner. De toute façon, je pense personnellement qu'on va passer par là bientôt. Je vais quand même ramasser ce qu'il y a dedans. Là c'est fermé. Tiens, c'est pas voir qui ne... nécessite clé de maintenance. Oh, un stock. Normalement j'avais fait le plein de munitions, si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai bloqué la tenue 5 alors que j'ai même pas encore la tenue... pardon. Je ne sais même plus quelle tenue j'ai, donc... oh, un diamant, 25 000 les gens. Ouh, composants électroniques très rares, vendus au stock. Ça, t'inquiète que je le vends. Niveau armes, j'achète pas. Je pense que je vais écho pour... une nouvelle tenue. 35 000. Il me semble que la 4, je l'ai pas. Ouais, il me semble que j'ai celle-là. Donc, je peux pas tourner sa tête, ouais, il y a trois trucs. Ouais, ça ressemble bien à celle-là. Bon, je vais écouter 35 000, les gens. Je vais changer un peu d'armure, ce sera peut-être bien. Bon. Faut que je trouve qui c'est qui chante, là. Oh, un point de sauvegarde. Sauvegardons, sauvegardons. C'est déjà 6h40 qu'on est sur cette partie, sérieusement. Bon, après, il y a beaucoup de... 60 balles. On va aller par là-bas. On va aller où est-ce qu'ils disent d'aller.
Quelle raison de vivre pouvez-vous trouver quand tout semble si désespéré? Je vais me faire capturer par encore ce gros laser de merde. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre, Monsieur Temple? Bien entendu. Ne craignez rien. Vous jouerez votre rôle très bientôt. Soyez le témoin du miracle de la foi! J'aime le sang. Ils sont prêts. Prenez-les. Ils sont à vous. À mon avis, ce mec doit... Il a bougé. Je crois que je vais me faire capturer par cette... cette grosse chose, ou peut-être l'autre côté. Dans la tente. Oh fuck. Pourquoi il y a une musique bizarre là? Ok. Déjà quelque chose va m'arriver. Ça... C'est sûr et certain. C'était au pistolet. Trop, il marchait dedans. Je te danse quoi. Oh non, pas eux. Putain, ils viennent, je les explose. Eh, salut! J'aime bien comment je donne un coup de pied, je demande le mec. Oui, ça, on va le prendre. Ça, ça veut dire s'il y a des mobs qui pop derrière, ça veut dire que je vais repasser par là pas longtemps. Eh, salut, c'était mignon, les gens. Tire! Voilà, c'est pas tout ce mob. Cassez-vous! C'est assez efficace hein, le coup spécial. Tiens, j'en sors ramassé quelque chose. Wow! Ça me fait peur lui. Ok, on se taille. Putain, mais. Le truc il rend bizarre en plus. Bref. Casse. Je pense que je vais devoir remonter l'ascenseur et voilà. Et c'est à ce moment là que je vais me taper ces mobs qui ont popé juste derrière. Vous savez quoi, je repasse au pistol. Bon tant pis, là-bas j'avais loupé un truc là aussi. Allez. Ah. Monsieur Clark. Je dois vous parler. Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer. Tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Ouais, j'ai défoncé mon tueur. Hop. Putain, c'est vraiment chiant de marcher sur ces conneries là. Oh là, attention, il y avait un mob derrière tout à l'heure. D'accord. Bon, il est plus là. Votre meilleur guide vers le futur. Zone résidentielle. D'accord.
C'est limite, ça va être à la Mass Effect 3. Creux. Ça va me faire chier, vous allez voir. Ça fait que dalle quoi. Sérieux. Allez mais... Crève. Aïe. Bon. Je suis pas très émotif là en ce moment dans ce que je dis, désolé. J'ai un peu chaud. Je vous l'avoue. Ah mais là je viens de te dé... Crevez toi là. Putain, t'es enfin mort. Ouais, bah tout. J'ai 3000 crédits. Je dis pas non non plus. Ouais. Ah d'accord, fallait appeler l'ascenseur. Je sens bien le mob dedans, je sais pas pourquoi. Ça va. Bah je pense qu'on est pas prêt de sortir de ce vaisseau, sérieusement, parce que si à chaque fois il nous manque quelque chose, on verra jamais la sortie. On va faire bien vérifier les côtés et tout. Le système de survie du dortoir B est coupé. Il va falloir trouver. Vous savez quoi, je vais ramasser toutes les munitions que aux alentours. Ah, par contre, ça, ce bruit, je n'aime pas. Dortoir B, c'est pas ça. Dortoir A. Et je sauvegarde. C'est pas encore fini, hein. Je prends mes dispositions, j'ai envie de dire. Voilà, ouais, hop, là, c'était quoi ici, là? Alors, toi... Rien quoi. Je démarre. Oh tiens, une petite caisse. Mais il y a tout de même rien. C'est chiant quoi. Bah encore là ça va, je suis un peu bien équipé j'ai envie de dire. Bon c'est pas grave. Continuons. Je m'en doutais. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu celle-là. C'est tellement chaud de tirer comme ça. Putain, tu me lâches, je sais pas. Non! 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 Je pense que je suis mort. Ah non, je suis pas mort. Ah si. Oh putain, alors là. Je suis pas mort. Il doit y avoir un problème. Bon, sinon. Faudrait peut-être que je tire un petit peu plus que ça. Bon, tant pis pour les autres munitions. Est-ce que je peux, à la limite, faire ça? Est-ce qu'il est par là? Non, c'est pas par là qu'il va aller. Là-bas? Pourquoi il m'a montré celle-là en début? J'ai ramassé les sous. Jack, qu'est-ce t'enfoiré? Jack, crève. Putain, c'est chaud, quoi.
reviser rapidement. J'ai de la chance. Bon. Merde. C'est bien ça. Ça tombe bien, je manquais une mission. Derrière, ouais, j'avais loupé des trucs. Putain, bon, on va aller loin en fait. Ouais, tiens, il y a une porte là. Putain, je rentre à l'arrache quoi, rien à péter. Débloquer verrouillage. Macropix. Ah merde. Oh fuck. Est-ce que j'ai des recharges de stase? Oui. C'est pas ça? C'est ma gueule lui. Ah c'est peut-être celui d'en haut. Voilà. Verrouillage débloqué. Donc c'est des plus verrou... Bon alors là je vais sortir, ça va être la fête à la saucisse. Faut qu'il n'y ait pas à interagir là avec ça, non? Ok. deuxième. Je fais de la merde. J'ai l'impression que ma sensibilité est très réduite, alors que j'ai pas touché au jeu, enfin aux configurations du jeu quoi. Bon, cassons-nous. Oui, vous savez quoi, je vais sauvegarder. Hop. Épisode 10. Donc plus que deux épisodes logiquement, hein, si... Enfin, deux épisodes dans le jeu, pas deux épisodes en vidéo. Si j'avais bien compté la dernière fois. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Ouais. Environnement il va faire chaud. Dangereux. Contactez un technicien sans air. Ah ouais. Mais froid, dis donc. Bonjour. Je vais faire ça. Voilà. Sortie zone sans. On appelle ça. On appelle ça. Nettoyer la zone. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement zone sans air. Bitch, je me casse. Tu es où? Faut aller là-bas. Putain, il est où lui? J'ai encore 60 secondes d'air. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Taïou. Oh. Qu'est-ce qui est moche lui? Casse-toi! Vite. C'est où le trigger? Mission blockbuster. Putain, je les ai! Fonctionnement des systèmes de climatisation. D'air moyenne. Environnement voilà. Dangereux. Contactez un technicien. J'ai eu de la chance. Ouais, je fais quoi ici, moi? Ok, en fait, faut pas aller ici, on se casse!
Putain, je vois à peine le trait bleu, quoi. Objectif second atteint. Oh putain, c'est vraiment fait exprès, quoi. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. On se casse. Non, sérieux. Putain, vite. Recharge derrière, voilà, hop. Putain, sérieusement, le triple, j'y comprends rien des fois, quoi, c'est abusé. Du coup, je vais attendre un peu ici. Sortie zone sans eau. C'est bon. Dysfonctionnement des systèmes de climatisation. Environnement dangereux. Contactez un technicien. Il y a la musique qui commence à changer, c'est-à-dire qu'il va m'arriver quelque chose. C'est un peu dommage, n'empêche qu'il y a des sons ambiants qui cassent un peu le... Comment dire, le... L'ambiance, encore, en gros, quoi. Donc, je sais même plus parler, en plus. C'est quand même assez long là. C'est quoi, j'en profiter pour charger mes flingues. Je m'en doutais. Putain, peureux. Ouais, bon, on va se casser, vous savez quoi. Lui, c'est celui qui avait popé, vous savez, dans la salle là. Dans la grande salle où on a vu le mec charcuter son cerveau. Bah, cette salle, quoi. Voilà, le voilà. Ah, oh, tiens, t'as ramené des amis. Putain, tout sauf ça, quoi. Je déteste les boules. Faut aller par là-bas. Toi, tu restes mort, tu fais pas chier. Tiens, limite, si je trouve mon petit stock là, je devrais avoir assez d'argent. Ok, là c'est le plan, on s'en fout. Ou c'est quoi, je vais sauvegarder une fois là. Et la prochaine fois, bah ça sera tout simplement pour la fin de l'épisode. Je vais pas trouver qui c'est qui chante aussi. Poste sécurité. J'avais déjà été ici, je crois. Bon, apparemment c'est pas par là-bas. Je pourrais la lui rendre. Désolé, monsieur Clark. Prouvez-moi que vous pouvez m'aider à la ramener là-bas. Sinon, je ne vous laisse pas passer. Moi, je te tue, je suis un fou. Je dois pouvoir vous faire confiance. Oh, le stock. Je rachetais aussi des petites zones. Trucs d'herbe. 35 800. Hop. 4. Voilà. Bon, je crois que j'ai un peu zappé le... Bah non, le niveau 3, je sais pas, j'ai rien zappé en fait. Je préfère un peu améliorer mon armure parce que ça fait un peu... beaucoup de temps que je l'avais et je pense que j'ai besoin d'une petite mise à jour. Je vais racheter des... comment ça s'appelle, des trucs d'air là, parce que j'en ai plus du tout. Et apparemment, c'est assez chaud pour en avoir une. Comme je suis beau. Putain, les godasses, quoi. Il y a limite des chaussures de sécurité, le truc.
Bon, voilà. Là, je peux pas en acheter. Énorme blague. Je peux rien vendre. Tant pis. Espérons ne pas avoir de... Comment ça s'appelle ? De zone sans air. C'est bien, t'es mort. Ah bah tiens, bah je suis venu là la fois dernière. Vous avez dit qu'on allait venir ici. Bon, ici je pense que c'est... Peut-être pas mort. Personnel, classe 5 uniquement. Vous savez quoi? Je vais aller là où je dois aller. Je vais pas m'embêter entre guillemets à aller autre part. Et si j'avais tout pris. C'est toujours par là-bas, ça va. Voilà, là je sais plus si j'avais tout pris. Putain, tout y est fermé quoi. Je sais pas s'il y a moyen d'ouvrir quelque chose. Entrée zone sans gravité. Ok. Ça fait quoi si je tombe là? Ah, je peux pas tomber. Ah, ça c'est sûr. What? Ça touche que dalle. Ouh. Et on tourne et on tourne. Ah, j'ai crevé quoi. Je galère à tuer une pauvre de merde. Voilà, c'est parfait. Voilà. Hop. Et hop. Moi je dois aller où? Je dois aller où? Putain, je vois. C'est de ma gueule lui, je vois rien. Oui. Apparemment, c'est par là-bas. C'est juste pour récupérer un plan de navette quoi, super. Sortie zone sans gravité. Si tu peux faire part comme ça quoi. Ils me font pas peur, mais qu'est-ce que je bousille comme munitions. Ok, je pense que voilà, je dois prendre l'ascenseur, bizarrement. Bon ça va tout à l'heure, j'avais déjà débloqué donc comment il y a ça te fait. Bon là par contre si je trouvais un point de sauvegarde ce serait bien. Ce serait pas mal, pas mal du tout. Bah, je vous ai demandé. Eh bien, c'est ici malheureusement qu'on se quitte déjà. Bon je vous avoue que pour cet épisode j'ai pas beaucoup parlé. J'ai assez chaud. Je sais pas si je trouve une maladie ou quoi. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve prochainement pour le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo. Pardon. Rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter. Tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve très bientôt donc pour la suite de nos épisodes. Portez-vous bien et à bientôt.